Hello à tous, ici Lego Paraclone Trooper BXL et aujourd'hui on se retrouve pour l'update number 8. Numéro 8 pour ceux qui ne parlent pas anglais. Oui, désolé pour mon absence d'une semaine ou deux. C'est quand même beaucoup, je pense. J'étais pas vraiment. J'étais en vacances donc j'ai pas vraiment pu faire beaucoup de vidéos. Parce que j'ai été à l'étranger et j'ai aussi on a fait les travaux chez moi, du coup on n'a pas pu j'ai pas vraiment pu toucher à mes Lego ni à mon ordi pour faire des montages. Donc voilà. Et bah aujourd'hui update numéro 8 et j'ai envie de vous montrer ma table de montage pour mes briques films. Donc vous voyez, c'est le bordel, enfin moi je suis que ça. Puis après j'ai mon trépied là-bas. Trépied. Ouais, trépied. Et donc vous pouvez voir, c'est des rideaux noirs comme ça, qui permettent de faire de cacher le décor pour mieux le voir. Pour mieux le voir, non, pour pas voir ce qu'il y a derrière. Et donc ça c'est un de mes projets brick film avec des chasseurs de primes et des sénateurs et tout. Enfin voilà, je pense pas le terminer, peut-être je vais vous montrer l'inachevé. Enfin, voilà, attends, j'ai pas enregistré, ah si, ouf, ouais, c'est bon. Et ici c'est mes rangements. Voilà, j'ai un petit peu changé ma chambre. D'ailleurs, ma table de montage elle est là. Enfin de fil de brick film elle est là. Ma table de mock elle est là. J'ai encore ma petite table. Mes rangements de figurines, mes rangements de pièces là-bas. Ma collection. Donc ici les Jedi et les clones. Des droïdes ici, mes sites. Des véhicules droïdes. Voilà. Ici la frégate avec quelques véhicules normaux. Turbotank et mon ATAP. Et au-dessus, le Z95 Headhunter et le bipode de la 500. Mes deux gunships, mon casque de clown et des builds des Star Wars là-bas. Bah voilà, c'est tout. Ah oui, pour mes mocs, je pense que je vais faire bientôt un work in progress. Un work in progress parce que voilà, c'est cool le work in progress. J'aime bien en faire un. Parce que voilà, parce que j'ai envie d'en faire un. Et donc je vous laisse le choix entre un mock sur Utapo. Donc la bataille d'Utapo. Voilà, sur 3, 4, 4, 6, 4 ou 6 plaques, ça je verrai encore en fonction de mes moyens. 4 ou 6 plaques, ou alors plusieurs mocks sur la bataille de Ryloth, c'est-à-dire genre le premier mock c'est le débarquement dans le village, non plutôt deux mocks, ouais, le débarquement dans le village, la 202e, et puis l'assaut de la forteresse de Ryloth. Avec mes Windows, donc ce serait deux mocs que je ferais peut-être. Ou alors, non, j'ai pas ça, j'ai pas la TAT, la TTA. Ouais, voilà. Soit l'un, soit l'autre.
Soit le bas du tapot, hein, c'est un seul mock sur genre 6 plaques, ou soit Pilot, donc c'est une série de deux mocks sur 4 plaques. Le premier sur 4 plaques et le deuxième sur 6 plaques. Donc la forteresse sur 6 plaques et le village sur 4 plaques. Donc sur la bataille de Ryloth, donc comme dans Clone Wars. Donc voilà, répondre à ces questions, désolé pour l'absence et j'espère bientôt refaire plein de vidéos et des mocks super. Et peut-être même des bric-films, mais c'est un peu moins sûr ça. Allez, ciao, c'était LPC Prods.